Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Ça nous permettra de débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP si vous vous connectez tous les jours. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 6-2-2-3-3-7-7-0-1-0-1. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi en description en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et n'hésitez pas à l'actualiser toutes les 2 semaines parce qu'il s'efface. Et par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous. Alors là, on attend que la map se charge. Quand la map est chargée, vous appuyez sur Option, vous allez dans le menu Lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, attendez 10 minutes. Et comme ça, bah, vous gagnerez plus d'XP. Donc là, je vais attendre 10 minutes et je vous retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, j'ai même eu un bonus de 20 000 XP, plus 5 000, plus ou moins 25 000 XP, voire un peu plus. Donc là maintenant je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Déjà vous pouvez prendre un grappin si vous voulez pour aller plus vite. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez en plein milieu de la map et vous allez construire une rampe. Mince, hop. Comme ceci, vous la construisez tout en bas jusque tout au-dessus pour aller en dessous du bloc qui est juste au-dessus. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me rendre tout au-dessus et je vais vous expliquer où est le bouton secret. Donc après vous pouvez construire comme vous voulez, moi j'ai construit comme ça. Vous pouvez faire des T4 si vous voulez. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de vous repérer par rapport à la constru. Regardez où est-ce que je suis, je me trouve ici plus ou moins. Donc prenez ce point de repère. Alors ensuite là vous allez construire 1, 2, 3, 4 rampes, 5 rampes même, vers le bas, comme j'ai fait. Et normalement, vous avez un bouton d'XP qui est juste ici. Voilà. Vous interagissez avec le bouton d'XP. Donc là, je suis niveau 17 avec 50 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc là, on est déjà à 170 000, 200 000, 230 000, 230 000 XP. Donc c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Alors ensuite, vous allez vers le coffre et là vous allez calculer, si je me trompe pas, vous allez calculer 1, 2, 3, 4, 5 carrés. 5 carrés, non ça me semble. Non, 4 carrés, vous calculez 4 carrés donc. 1, 2, 3, 4 carrés. Ensuite vous mettez une rampe sur le quatrième carré, voilà comme ceci. Et vous créez 3 rampes. 3 rampes puis en un plat. Et là sur le plat, juste ici, là j'ai encore eu un bonus de 20 000 XP. Sur le plat, vous avez un bouton carré, hop, vous interagissez avec. Ok. Donc là, on est à du 100 000, 150 000, 160 000, 171 000. Donc là, on est quasi à du 400 000 XP. Donc ça fait 4, 8, on a déjà pris 5 niveaux normalement, si je me trompe pas. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous regardez en face du coffre. Vous allez de l'autre côté ici. Et là, vous allez calculer 1, 2, 3, 4, 5 carrés en diagonale. Non, 6 carrés en diagonale. Et ensuite, vous descendez. Vous voyez? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés en diagonale. Ensuite, vous allez ici, vous construisez un petit chapeau. Et normalement, il y a un bouton. Ouais, non, il est juste ici le bouton. Vous construisez le chapeau et là vous avez un bouton secret XP. Et on va voir combien ça va me rapporter. Donc on était à du 500 000 XP, 400 000 XP on était. Et là on est à du 400 000, on est à du 568 000 XP. Donc ça fait 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ouais, on est facile à 6 niveaux. On a gagné 6 niveaux en un seul glitch, donc c'est plutôt rentable.
On a du 460 000, 480 000 XP, donc franchement c'est très 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 rentable. Quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites si vous voulez gagner des XP en illimité, c'est que vous arrêtez le jeu, vous recommencez le glitch, hein, vous relancez la map en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao. Peace.